Trois jours durant, les 21, 22 et 23 octobre prochains, le Grand Théâtre accueillera le colloque international dédié à Marius Petipa, colloque qui bénéficie du soutien de l'UNESCO. Ce colloque réunit les meilleurs spécialistes mondiaux du chorégraphe et ces spécialistes viennent des quatre coins du monde. 8 nationalités seront représentées, dont bien sûr des Russes, des Américains et évidemment des Français. Ce colloque international de Bordeaux à Saint-Pétersbourg, Marius Petipa et le ballet russe, s'inscrit dans un projet de recherche qui a été initié dans le cadre de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Il est organisé par une sorte de réseau international de chercheurs qui a des ramifications en France bien sûr, mais aussi en Russie, aux États-Unis, dans différents pays. Et donc l'objectif c'était d'organiser une sorte de colloque hommage à Marius Petipa qui, en dépit de sa notoriété internationale, a été un peu négligé par la recherche universitaire. Donc c'est un hommage que nous voulons lui rendre et l'Opéra National de Bordeaux s'est tout de suite associé à ce projet et à la gentillesse et l'amabilité de nous accueillir dans ses murs. Ce n'est évidemment pas un hasard que le colloque dédié à Marius Petipa ait lieu à Bordeaux, car Marius Petipa lui-même a été premier danseur de demi-caractère à Bordeaux dans la saison 1843-1844. Et son père lui-même, Jean-Antoine, a été maître de ballet sur la scène du Grand Théâtre de Bordeaux. C'est donc une sorte d'hommage et une évocation très symbolique du passé que la présence de ce colloque à Bordeaux. Nous avons à cœur d'être accessibles à un large public, car nous faisons un effort considérable pour traduire toutes les interventions en français. Et même, nous envisageons actuellement de traduire les débats en anglais en simultané pour les auditeurs qui viennent de l'étranger. Voilà, dans un souci vraiment de mettre cette manifestation à la portée du plus grand nombre, des étudiants, mais aussi du grand public, des élèves, des passionnés de danse, enfin, voilà, de tout le monde. Évidemment, en contrepoint de ce colloque, il y aura un gala dédié à Marius Petipa, où seront interprétés par les danseurs du ballet de l'Opéra National de Bordeaux sous la direction de Charles Jude, des extraits des œuvres de Petipa, des Pas de Deux, de Casse-Noisette, de Don Quichotte, du Lac des Cygnes, mais aussi l'intégralité de l'acte 3 de Raymonda.